Benoît XVI malade, le Vatican donne des de l'état de santé de l'ancien pape. L'état de santé du pape émérite Benoît XVI préoccupe. En effet, depuis plusieurs semaines, l'homme de Dieu est malade et affaibli. Mercredi 28 décembre 2022, son successeur le pape François a appelé les fidèles à prier pour lui car il était gravement malade. Une annonce qui a bouleversé et suscité de vives émois. Le même jour, l'agence France Presse a pu obtenir un bulletin de santé un peu plus détaillé par une source vaticane. Nos confrères de l'AFP ont indiqué, sa santé s'est dégradée il y a environ 3 jours. Ce sont ses fonctions vitales qui lâchent, y compris le cœur. Benoît XVI n'a pas été hospitalisé. Il est dans sa résidence au monastère Mater Ecclesiae, au sein du Vatican. Il a à sa disposition, le matériel nécessaire pour le suivi de son état de santé. Vendredi 30 décembre 2022. Le Vatican a donné des nouvelles du pape émérite qui a renoncé à son mandat en 2013. Pour raison de santé, face à l'inquiétude du monde entier. Les nouvelles ne sont pas alarmantes, pour le moment, malgré le contexte. Matteo Bruni. Le chef du service de presse du Vatican a indiqué, le 30 décembre 2022 lors d'un échange avec les journalistes, que l'état de santé de l'ex-pape Benoît XVI était stationnaire. Cet échange a été relaté par Vatican News. Nos confrères ont retranscrit les propos de Matteo Bruni, la nuit dernière, le pape émérite a pu bien se reposer. Et hier, jeudi 29 décembre 2022, note de la rédaction, après-midi il a participé à la célébration de la messe dans sa chambre. Nos confrères de Vatican News précisent, la veille, le Vatican ayant communiqué sur l'évolution de l'état de santé de Joseph Ratzinger. Soulignait que le pape émérite est lucide et conscient, bien que son état reste grave. Guillaumet. Afin d'aider et de soutenir Joseph Ratzinger de son nom civil dans cette épreuve. Une messe en son honneur a été célébrée, vendredi 30 décembre 2022, en fin d'après-midi à la basilique de Saint-Jean-de-Latran, à Rome.